Ça fait un moment que la pression monte autour de ce match. Les deux équipes vont pouvoir enfin en découdre. On va vivre ça ensemble dans un instant. On est bien installé dans les tribunes du Stadium Australia. Omar, et oui, c'est lui, Benjamin, bien sûr, c'est moi. Nous sommes aux premières loges pour vous faire vivre cet événement. Première journée de phase de groupe dans cette Coupe du Monde. La Norvège contre la Suède. Consistance, rigueur, détermination pour aller loin dans une compétition. Il faut absolument réussir la phase de groupe. C'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe. Et maintenant, la composition de la sélection norvégienne. Il n'y a pas de vérité. Tous les styles de jeu sont intéressants. Là, on va avoir un style classique avec ce 4-3-3. Et voici les 11 titulaires suédoises pour ce match. Composition assez offensive avec ce 4-5-1 ou alors 4-2-3-1. Enfin, on verra bien. Tout ça, ce sont que des numéros de téléphone. C'est parti pour ce match de Coupe du Monde. Ouais, le ballon en cloche par-dessus, c'est bien joué. Oh, quelle intervention pour empêcher l'attaquante de frapper. Blackstenius. Oh, la bonne parade. Le corner. Un dégagement raté sur ce centre. Le danger est toujours présent. La frappe. Goal, 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 goal des Suédoises. C'est bien joué. Magnifique. Ce ralenti qui nous remontre le corner très bien tiré. Il y a beaucoup de monde à la tombée du ballon. La finition à mi-distance avec cette frappe parfaitement en équilibre qui absorbe toute l'énergie. On la revoit, elle est imparable. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Graham Hansen. Engen. Graham Hansen. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Ah, le bloc bascule bien histoire de profiter des couloirs. Mais quel tir surpuissant à mi-distance! Ça passe vraiment pas loin. L'équipe progresse, elle va maintenant essayer de mettre le danger. Ah, oh, le ballon intéressant. Super l'intervention. Et oui,
C'est le but. Voilà un but pour relancer ce match. Une égalité parfaite maintenant au tableau d'affichage. On revoit le ballon qui a bien franchi la ligne. Ça se joue pas à grand chose, mais c'est but. Ah, le score de parité est donc un partout. Fridolina Rolfe. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Plaxtenius. Et but, c'est au fond. Les voilà qui prennent à nouveau l'avantage dans cette rencontre. Regardez, la clé de ce but, c'est ce ballon très dangereux dans l'espace. Derrière, tout est plus facile pour attaquer. Et rien de tel pour finir cette action qu'une frappe franche avec beaucoup de puissance qui vient transpercer le filet. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 2 buts à 1. Oui, le bon geste défensif. Attention à cette occasion. À cette distance, pourquoi pas. Ah, le ballon est contré. Le centre dans la surface, il y a du monde. Et les voilà en possession du ballon. Et magnifique, Fiskerström. Le corner bien tiré. Ah non, l'occasion était bonne, mais le ballon lui échappe. La Norvège est possédée du ballon. Il y a un contre possible à jouer là. Plaxtenius. Ah, le bon réflexe là. Le corner. Ah, il y a toujours le feu. Il faut se méfier, faire attention. Face à face à négocier. Et c'est bien défendu et ça écarte le danger. Ah non, il est perdu ce ballon. Et l'option de la contre-attaque est possible. Dans le dos de la défense, ça peut être dangereux. Bon placement entre les lignes, ballon récupéré. Plaxtenius. Il y a faute, mais avantage, l'arbitre là, elle fait signe de continuer. Ah, excellente lecture du jeu de Mielde qui intercepte. Eh bien vu, la passe en profondeur. Ah, il était dangereux ce ballon, malheureusement personne pour venir couper la trajectoire. Graham. Ah, la bonne frappe. Et finalement, c'est sans problème pour la gardienne. Oui, le plus important dans le football, c'est de créer du déséquilibre pour pouvoir marquer des buts. Et on voit que les occasions, elles sont trop rares. Pour revenir dans ce match, il faut absolument se procurer plus d'opportunités. Et peut-être enfin une bonne occasion, là. Et attention à cette frappe. Oui, joli réflexe.
corner. Voilà, faute des pénaltys. Et oui, l'arbitre là qui indique le point de pénalty. Eh, pas de carton, elle est sympa l'arbitre là-dessus. Elle a considéré que le péno c'était suffisant. Pourquoi pas? Ouais, c'est dedans, pénalty parfaitement exécuté. Sur ces images, ce péno qui prend parfaitement à contre-pied et le plongeon qui était parti du mauvais côté, c'est très bien tiré du travail de pro. Ah, le jeu reprend, le score est de parité, deux buts partout. Ça y est, c'est terminé, c'est la pause au Stadium Australia. C'est le début de la seconde période dans ce match de Coupe du Monde. À la récupération du ballon, c'est bien fait. Engen, l'équipe peut jouer le contre. Ah non, finalement le ballon est perdu. Le ballon sur le côté pour profiter de l'espace. Une grosse occasion pour passer devant. La parade, quel arrêt sur cette action. Il y a tout dans cet arrêt. La présence, la perspicacité et surtout la personnalité. Les 3 P. Un corner qui est bien ajusté. Excellente intervention, le ballon est capté. Tout va en scène. Elle progresse bien sur le côté de l'attaque. Touche à venir. Ouais, c'est intercepté ça, bien joué. Ah, le contre est possible. Ah, c'est bien parti. Ah, le parade, mais le ballon est toujours en jeu. Le danger est écarté. Bon positionnement. Le ballon est récupéré dans le camp adverse. Allez, hop, c'est dégagé. On prend pas de risque. Oh là là, le ballon sur la transversale. C'était vraiment tout proche. Ici, on voyait la trajectoire plus à l'intérieur. Hein. Mais finalement, ça sort tout juste. Pas de réussite. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Avantage, l'arbitre laisse jouer. Et bien fait, attention à l'occasion. Ouh, la frappe. Intervention sans difficulté sur ce ballon. Anderson. Ah, le contact sans faute. Avi pour aller fixer dans l'axe. Tentative renvoyée par la barre, c'est pas fini. La défense ne se pose aucune question, ballon dégagé. Hé, hey, poteau, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux pas prendre un RTT? Partir en week-end pour les laisser prendre à l'avantage? Le centre qui est contré. Pas de détails, un dégagement qui sort du terrain et ça fait donc corner. Le corner. Et voilà un nouveau corner.
Et le corner ne donne rien, le ballon est renvoyé par la défense. Graham. Ah, le ballon est contré. Ah, il y a une bonne transition en attaque à négocier. Attention pour mener au score peut-être. Poteau, ce n'est pas fini. C'est une très bonne occasion qui vient finalement lécher les montants. Et oui, c'est dangereux. Allez, un bon ballon pour faire la différence. Et le but, facile, parce qu'il n'y avait plus personne dans la cage. On revoit la conclusion de l'action dans le but vide. On se demande où était la défense. C'est un moment clé dans ce match. Ce but risque bien de faire la différence. Il reste très peu de temps pour égaliser. Et le face-à-face à venir. Oh, attention! Voilà, là, là, là! Et à peine le temps de se remettre. Et un nouveau but qui vient creuser l'écart. Bien sûr, il suffit de pousser le ballon pour marquer. Mais ce qui compte, c'est tout le travail collectif pour arriver à une telle simplicité. Ce genre de but, c'est l'essence même du jeu en équipe. Goal. 4-2 au tableau d'affichage. Ah, il y a faute, mais avantage. L'arbitre, là, elle fait signe de continuer. Ouais, c'est bien fait, la protection de balle. Eh ballon récupéré sur cette bonne intervention. Graham Hansen. Reiten. C'est sur la barre, c'est pas fini. Oui, bien défendu, le ballon est renvoyé. Et le ballon vers la surface de réparation. C'est un corner pour la Norvège. Ah, le corner bien tiré. Et la tête ne trouve même pas le but. Rubenson. Bennison. Magnifique, quelle passe! Eh oui, le bon réflexe. Et le staff décide donc de faire un changement. Le corner. Oh, le ballon sauvé in extremis sur la ligne. Et perte de balle, ça aurait pu être évidemment évité. La frappe a beau être relativement proche du but, c'est sans danger. Effectivement, et ça sort en 6 mètres. Cinq minutes encore à jouer dans ce match. Le contre est possible. Bien parti dans le dos. Ouais, bon plongeon de la gardienne. Le danger est éloigné. Ouais, bien frappé ce corner. Incroyable, c'est sauvé sur la ligne de but. Balle au pied toujours dans le camp adverse. Ah non, finalement le ballon est perdu. C'est la dernière minute du temps réglementaire. Et voilà, c'est terminé. Et donc les joueuses qui remportent ce match de Coupe du Monde. On vient d'assister à un match quasiment parfait de leur part. À aucun moment on les a sentis véritablement en danger.
L'équipe progresse, elle va maintenant essayer